bien ton mari. Et puis quand tu es en train de masser ton mari, quand tu dis à ton mari, bébé, mets-toi sur ton dos comme ça. Toi, la femme, tu es en train de masser sa poitrine, tu es en train de masser son bangala comme ça là. Quand tu finis, toi, la femme même là, tes seins là, tu colles ça comme ça sur sa poitrine. Sa poitrine là, tu glisses ça comme ça. Toi, la femme même là, tu glisses, en fait, ta poitrine là, tu fais accoucher ça sur ton mari comme ça. Et puis tu frottes comme ça. Tu frottes comme ça. Tu es sur la poitrine de ton mari et puis tu fais ça. Tu fais ça comme ça. Tu masses, tu frottes la poitrine, ta poitrine, la poitrine de ton mari. Donc, ce frottement-là, avec l'huile érotique-là, ça crée quelque chose de très fort. Donc, tu frottes comme ça ta poitrine, là, tu frottes sur sa poitrine comme ça. Et puis, toi-même, la femme, ça veut dire que tu n'es pas nue. Ben, c'est ça l'excitation. Ça veut dire que toi, la femme, tu as porté ton petit string. Donc, quand tu as porté ton petit string, là, tu es en train de bien frotter ta poitrine comme ça sur la poitrine de ton mari. Lui-même, il est content comme ça. Ben, t'es lolo, là, il sent ça sur ses seins comme ça. Bien comme ça, là. Toi, la femme, là, quand tu te cambres un peu, tu t'assois un peu sur ton mari comme ça. Tu t'assois un peu sur ton mari comme ça, et puis tu fais ça. Tu fais ça, ta poitrine là, tu glisses ça comme ça. Tu montes, tu descends, tu montes, tu descends. Quand tu es en train de monter, tu descends là. Entends ton string là, tu as porté, hein, tu n'as pas enlevé ton string. C'est-à-dire que toi, la femme, même ton string que tu as porté, elle est bien trempé comme ça. Elle est bien mouillée comme ça. Par tout massage que tu es en train de faire là, le monsieur même ses petits chai, le monsieur même sa respiration, par quand il respire là, la respiration est profonde. Tu sens qu'il est en train de se procurer du plaisir. Voilà, et puis toi, la femme même, ça te fait plaisir. Donc, ça crée une excitation exagérée. Parce que vous vous voyez comme ça en train de prendre du plaisir. Donc toi, la femme, même quand tu es en train de frotter ta poitrine sur la poitrine de ton mari comme ça, et puis tu as porté ton string là, tes fesses là, tu t'assois un peu sur son bangala. Son bangala est bien dur comme ça, tu t'assois dessus. Tu ne fais pas rentrer le bangala là, hein? Non. Bangala n'a qu'à rester dehors comme ça. Et puis toi, la femme, quand tu t'assois sur le bangala là, c'est-à-dire que tu es assise dessus, mais le bangala n'est pas là. Donc, tu te couches sur le bangala comme ça. Toi, tu t'assois, c'est-à-dire tu te couches, tu te cambres comme ça, et puis tu es couché sur le bangala. Et puis tu frottes comme ça. Tu frottes le bangala, c'est-à-dire tu es en train de mougou ton mari, mais il n'est pas dans ton vadebe. Il n'est pas dans ta foufoune, mais tu entends le mougou. C'est-à-dire que tu frottes comme ça, tu frottes comme ça. Lui-même là, c'est-à-dire le plaisir est intense. Pourquoi? Parce qu'il ne t'a pas pénétré. Mais c'est-à-dire le mouvement que tu es en train de faire là, ça crée des plaisirs en lui. Et puis tout de suite, il n'est pas concentré sur l'éjaculation parce que, en fait, tu es en train de jouer avec tous ses sens. Voilà, tu joues avec tous ses sens. Toi-même, la femme, tu es excitée d'une façon, tu mouilles. Toi, la femme, même, tu peux jouer au moins 4 fois. Tu peux jouer 4 fois parce que la femme, surtout une femme qui est clitoridienne, si elle est en train de faire ce mouvement-là, ça veut dire qu'elle est en train de frotter comme ça son mari. Genre, elle est en train de mougou son mari, mais en temps, le bangala n'est pas dans la foufoune. Donc, elle frotte comme ça. Elle frotte, puis sa poitrine là. Sa poitrine, elle frotte ça sur la poitrine du monsieur comme ça. Elle même mougou son mari comme ça. Elle n'est pas en train de le. Il n'a pas pénétré. Mais elle le mougou comme ça. Donc, et puis l'huile que vous avez pris là, l'huile là, ça fait que vous glissez comme ça. Votre corps là, ça glisse comme ça. Voilà. On est un poisson silure. Donc, c'est agréable comme ça. Donc, toi-même, une femme, même déjà, même ton mari, même t'as pas encore pénétré. Mais si tu es en train de le mougou comme ça, elle ton string là. Non, c'est-à-dire ton string tu as porté là. Tellement que tu fais des mouvements, le string là, les bordures là, ça commence à frotter ton clic-clic comme ça. Ça frotte ton clic-clic comme ça. Donc toi-même, tu es en train de faire le frottement sur ton mari et puis ton clic-clic là, ça joue comme ça. Le string joue avec ton clic-clic. Donc ce mouvement là, déjà là même là, mais ça crée une excitation en toi. Donc ça fait que tu es inspiré. Donc tu mougou le monsieur là, tu mougou le monsieur. Enfin, il n'est pas en train, il n'est pas dedans. Mais tu le mougou, c'est-à-dire que toi, la femme même, déjà tu gâtes le coin. Déjà, tu gâtes le coin parce que c'est un plaisir intense. C'est un plaisir intense. C'est-à-dire que vous avez pris tout votre temps pour apprendre à vous connaître, pour apprendre.